Mesdames et messieurs, amables téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Kavi TV, votre télé du développement, mais aussi de l'entrepreneuriat. Et merci ce soir encore de nous regarder sur Canal Plus 249 ou vous nous regardez sur StarTM 779 ou dans l'ensemble, en tout cas, de nos applications sur Play Store ou App Store, mais aussi également sur la grande page du groupe de médias Kavi, mais aussi sur Kavi TV. En synchronisation sur la GRTV. Alors, aimables téléspectateurs, aujourd'hui, notre invité dans cette émission, c'est un artiste, compositeur, chanteur. Connu de tous également parce qu'il a fait un single qui fait tabac dans la cité, je le dis comme ça, mais aussi pas d'album au marché des disques guinéens, mais l'artiste se prépare pour son tout premier album. Avec lui, on parlera de tout ça dans votre émission. Kavi Tempo, l'artiste sur la carte d'identité nationale s'appelle Mengue Gatri Traoré, communément appelé Petit Mondi pour les intimes et les mélomanes de la musique populaire de Guinée. Mesdames et messieurs, sur votre attention, on va recevoir notre artiste pour ce week-end époustouflant sur Kavi TV, Petit Mondi. Aneto loma loma din mba de malo jombe ni danyale dununya jombe ni dekande ah jombe ni danyale dunia telona ah. Merci Petit Mondi, bonsoir. Bonsoir à vous. Notre invité, Petit Mondi, ce soir sur Kavi TV, la télé du développement. Petit Mondi, bienvenue dans l'émission Kavi Tempo. Merci à vous. Alors, comment ça se passe le week-end? Ah, ça se passe au calme, quoi. Au calme, hein? Ouais. Alors, également, tu es mieux connu par certains mélomanes, mais d'autres aussi te connaissent bien. Alors, Petit Mondi qui a un talent, Petit Mondi qui est ovationné partout, mais jusqu'à présent, tu n'as pas d'album au marché des disques guinéens. Qu'est-ce qui te freine, Petit Mondi? Bah, c'est les moyens et puis manque de production. Ouais. Avec, parce que je travaille seul jusqu'à présent, vous voyez. Ouais. Mais tu travailles seul, hein? Ouais. Mais attends, nous, on aura entendu que tu travailles avec un label de production et que tu as quelqu'un, même en Europe, qui te soutiennent. Aujourd'hui, quelles sont tes relations aujourd'hui avec ces bonnes volontés? Bah, il fait un temps, je travaille avec eux, ils m'ont proposé un contrat de production. Ouais. Mais il y avait eu un malentendu entre nous. Bah. Je ne peux pas tout expliquer sur la télé, vous voyez. D'accord. Donc, on a mis fin au travail. On n'avait même pas fait le contrat, vous voyez. Alors, donc, le contrat n'était pas fait? Le contrat n'était pas fait, mais il n'y avait pas de confiance, donc on ne pouvait pas continuer quoi, sans confiance. Sans confiance. Ouais. Et, mais je pense que tu as fait certains clips et c'est ce label qui t'a poussé à faire ce clip. Ou bien c'était faux? Non, le label m'a accompagné à faire le clip. Ouais. Ils m'ont accompagné. Mmh. Sinon, j'ai dépensé aussi dans le clip. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que c'est pas le label. C'est pas le label qui a fait des financements pour toi, pour ce clip. Si, ils ont fait une partie, j'ai fait une partie. D'accord. Parce que j'ai financé le son. Mm-hmm. J'ai acheté certains habits. Ouais. Au moment du tournage, j'ai dépensé, vous voyez. Donc, un peu ça. Donc, c'est pas. Si c'était une label, je n'allais pas faire tout ça. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on attendait que tu as signé avec un label, c'est faux. Ouais, c'est faux. Tu démentis ça aujourd'hui pour les millions de téléspectateurs qui nous regardent. Je n'ai pas signé un contrat avec un producteur ni un manager. D'accord. Ouais. Alors, aujourd'hui, comment tu as la quête d'un producteur ou d'un manager? Si je suis à la quête d'un producteur en même temps, je peux me donner du temps aussi pour travailler mieux aussi, quoi. D'accord. Oui, parce que la Guinée actuellement, ce que j'ai remarqué, il faut que tu te donnes la force avant que les gens ne viennent. D'accord. Ouais. On va revenir sur tout ça là. Et mes téléspectateurs, le show commence sur Kavi TV, la télé du développement, mais aussi de l'entrepreneuriat. Parce que nous ici, quand un artiste vient, on te donne le temps de jouer en live pour connaître le véritable talent de l'artiste qu'on reçoit dans l'émission Kavi Tempo.
Alors, tu as tout ton temps aujourd'hui avec cet orchestre qui nous accompagne. Ouais, merci. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu nous proposes? Merci. C'est le week-end, c'est le samedi. Bienvenue dans votre émission Kavi, Kavi Tempo, hein, sur Kavi TV. Yeah. C'est bon. C'est bon. Asembena gogine mula maga metana ya marafani goro. Marafani asembena goga me mula magine tana maibada. Avansa buwali de teme ya mula manasono. Fort, petit Mondi ce soir, yeah. Sur Kavi TV, tu m'as fait danser. Hein? Alors, tu as une très belle voix, une voix mélancolique et suave. Et franchement, parce que moi je t'ai connu, il faut s'y aller, ça fait longtemps, c'était la 3e édition de la Foire Internationale de Guinée. C'était avec Benedi Record, ce ouais, jour-là, ouais, ouais. J'étais au micro de présentation sur le grand podium. Et là, je t'ai vu, tu as joué et avec un son. Et après, tu vas nous mettre ce son-là après. Mais moi, je vais savoir. Parce qu'il y a d'autres qui me disent que tu faisais aussi le reggae avant. Ouais. Le reggae avant, c'est vrai? Ouais. Ben oui. Mais pourquoi tu as changé la cadence musicale? Du reggae, tu es venu de la musique populaire. Pourquoi ce changement? C'est dû à l'instrument. Parce que je suis instrumentiste. D'accord. D'une part.
Okay. Je fais partie du moins, ouais, d'un groupe de percussion à Bonfi. D'accord. Kala Percussion. Kala Percussion. Et donc, c'est à cause de ça que tu as fait un changement. Tu as changé, tu as quitté dans le monde du reggae. Oui, oui, évidemment. Et parce qu'il y a d'autres aussi qui changent, parce qu'on dit que dans le reggae, il n'y a pas l'argent. Moi, je me dis comme. Non, je me dis, non, moi, c'est. Est-ce que c'est la même chose chez toi? Non, moi, c'est pas ça. Ouais. Les gens me disaient aussi, ah, tu as une belle voix, il faut chanter du mamaya, il faut chanter du mamaya. Ouais. Comme j'ai joué l'instrument aussi, donc je me suis dit, ah, pourquoi ne pas. Non, parce que j'ai entendu beaucoup de ces murmures. On dit souvent, quand on fait de la musique reggae, il n'y a pas l'argent dedans. Et puis, ben, quand tu es rappeur encore, il n'y a pas l'argent dedans. Mais actuellement, ici, je ne dis pas les reggae man, mais la musique du rap est quand même sollicitée actuellement. Ouais. Alors également. Ouais. Alors, je ne sais pas si toi aussi, parce que toi, tu dis que c'est parce qu'on t'avait dit que tu as une belle voix, donc il faudra changer, s'adapter à la musique populaire. Ouais. Alors, parle-moi de tes débuts. Est-ce que la musique, tes débuts avec la musique, comment ça se passait avec les parents? Est-ce que tu n'as pas été stigmatisé par les parents? Parce qu'il y a d'autres, la musique n'est pas bien accueillie dans leur famille, hein. Est-ce que c'est la même chose chez toi, petit nom? C'est la même chose chez moi, comme dans plusieurs familles aussi. Ouais. Moi, quand même, au moment que j'ai commencé, mes parents n'ont pas accepté. D'accord. Mais avant même, quand je donnais l'argent à ma maman, elle disait, ah, il y a du cobrina, je ne veux pas. Dans Mouidoma. La maman, elle vit encore ou quoi? Elle vit, oui, oui. D'accord. Elle vit. Peut-être elle nous regarde là. Bah. Elle vit où? Elle est à Akoya. Akoya, elle d'accord. Akoya, oui. Et mon père aussi, évidemment. Donc, voyez. Coucou à la maman qui nous regarde depuis Akoya. Voilà. Donc, c'était pas facile. Avec mes tantes aussi, mes tantes me disaient, ah, nous ne sommes pas griots, on n'est pas jeli. Donc, il faut abandonner. Mais j'avais des amis qui étaient là pour moi à tout moment, vous voyez. Oui. Quand je leur dis, ah, mes parents m'ont dit d'abandonner la musique, et ils vont me répondre en me disant, ah, mon frère, tu as du talent, tu as tout ce qu'il te faut pour faire la musique, donc il faut continuer, il ne faut pas les écouter. C'est un début seulement, arrivé à un certain moment, ils vont venir sur ton idée, et puis c'est comme ça que ça s'est produit aussi. Et je vais signaler, mes chers téléspectateurs, que dans la deuxième partie de cette émission, Kavi Tempo, sur votre télé-développement, notre invité sera Abdoulaye Sylla, communément appelé Ablos Sylla. C'est un jeune aussi qui est rempli de talent, il est trop fort, il a une très belle voix, et il viendra tout à l'heure ici partager ce micro avec toi, Petit Mondi. Ouais, mais d'ailleurs, on va assister au deuxième a cappella de Petit Mondi dans cette émission. On est un peu bavardé, on voit les téléspectateurs ont besoin du show dans cette émission. Qu'est-ce que tu nous proposes? Cette fois-ci, je vous propose Yaruya. Okay. Yaruya. Yaruya, chanté tout à l'heure par Petit Mondi. Aimable téléspectateur, restez captivants sur cette télé du développement, car le meilleur reste à venir. Yaruya ta na folori fure na ma Yaruya Ah Yaruya ta na folori fure na ma sono funga me fie ba yawi mukolo ma Yaruya ta na folori fure na ma Yaruya Kofi dunuyada, iya wi ma fanyi fala meoma. Musbi fana ni makana regambi, baya wi mokoloma. C'est important, hein? Bine re fati baba. Bine mbi baba. Ya wi ya mufan. Wow. On écoute et on regarde. Kofi alasa dunuyada, iya wi ma fanyi fala mera fira. Wow. Kofi dunuyada. Ma
Pure vérité. J'adore sa voix. J'adore la voix de Petit Mondi. On va se faire. Oh, yo, yo. Il s'appelle Mengué Gatri Traoré, alias Petit Mondi. Ah ben oui, aujourd'hui, qu'il est à la recherche d'un bon producteur. Déjà, je pense que l'album est prêt. Hein? Bah, comme tout n'est pas fait, ouais. Donc je peux dire que c'est en cours. En cours, hein. Alors, on peut avoir combien de sons maintenant prêts avec Gatri? C'est trop. C'est trop. Ouais. D'accord, voilà. Et si, parce que tu as l'idée de faire un album, hein. Ouais, tu veux tu veux offrir combien de titres à tes fans aujourd'hui? Bah, pour le moment, je propose 12. 12 titres. Ouais. 12 titres. Ouais. Alors, avec des featurings? Avec des featurings, ouais. D'accord. Non, avec les featurings, là, ça peut aller jusqu'à 16 au moins. Avec 16? Moi seul, je propose 12. 12. Ouais. Et certainement, il y aura des featurings, non? Ça c'est forcé. C'est forcé, hein. Ouais. Alors, tu penses faire featuring avec lesquels des artistes de Guinée? Bah, tous ceux qui seraient disponibles pour moi. Comme qui? Parce que dans ta tête, il faut avoir de la vision, hein. Si, j'ai des visions, mais j'ai pas la chance. Ils n'ont pas assez de temps pour nous actuellement. Ouais. Ouais. Comme qui? Bah, moi quand même, je veux travailler avec Lévi. Je veux faire un featuring avec lui. Avec Lévi Bobo? Avec Lévi Bobo. D'accord. Avec Mousto, les Couris. Et pourtant, Lévi est très ouvert avec tout le monde quand même. Bah, j'ai pas eu la chance d'abord de m'asseoir avec lui. Tu l'as pas appelé?
Je ne l'ai pas appelé. Et donc, voilà, dès après cette émission, moi, j'appelle Lévi pour toi. Ouais. Et voilà, et on va essayer de voir ce qu'il peut faire pour toi. Il n'y a pas de souci. Hein? Donc, si Lévi aussi nous regarde dans cette émission, il s'appelle Petit Mondi. Yeah. Il a envie de réaliser un tube avec toi. Lévi, je sais que tu es très gentil. Tu as aidé beaucoup de jeunes ici en République de Guinée. Je pense que tu ne peux pas quand même le refuser. Il n'y a pas de problème. Hein? Alors, quand même, avec cette nouvelle génération, la nouvelle génération aujourd'hui, parce que quand on parle de la nouvelle génération de la musique guinéenne, des artistes qui cartonnent, on va forcément parler de Koury Simplé. On va forcément parler de Petit Ousté. On va parler de Chamac, malgré ce fait rare aujourd'hui sur la mécène de la culture de Guinée. Mais aussi, on a les artistes comme Alpha Sino aujourd'hui. Quelles sont tes relations? Comment ça se passe avec eux? Tout se passe bien avec nous, entre nous, parce qu'il n'y a pas de haine, il n'y a rien. Je les respecte. Des fois, tu te rencontres avec Koury? Oui. Je me rencontre avec certains. Ouais. Et puis, beaucoup, je peux dire que toute la nouvelle génération me connaissent. D'accord. Parce que c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. À chanter. À chanter. Oui. C'est en quelle année que tu as commencé? J'ai commencé en 2009. 2009, hein? Oui. Et voilà. Il y a certains qui sont parmi eux aujourd'hui, sont sortis en album. En ce moment, ils ne chantaient pas. Ah, ben oui. Voilà. Parce que quand tu me parles de 2009, en ce moment, ce Koury avait commencé à chanter. Point d'interrogation. Voilà. Donc. Ah, ben oui. Ah, je suis là pour eux. D'accord. Je suis pour eux. Donc, longuement dans le ghetto, de la musique, en tout cas, tout genre, longuement. Avec tant d'expérience et en tout cas je pense que sur l'album c'est pas seulement la musique populaire, on aura tout dans ton, dans ton album. C'est ça mon idée. Voilà. D'accord, alors merci. On a annoncé ici dans l'émission que la deuxième partie on va aussi introduire notre deuxième invité dans l'émission. C'est un jeune comme toi et je pense que il sera très ravi de partager ce micro avec toi parce que tu es son doyen aussi. Le micro, c'est ça, c'est la famille et surtout la musique aussi, c'est ça. Et ici même, peut-être que moi, j'aurais gagné un featuring avec vous, en tout cas ce soir, dans cette émission Battle, j'allais dire Battle des Stars, hein, à la radio, dans l'émission Kavi Tempo. Ouais. Alors, deuxième invité, c'est Abdoulaye Sylla, comme nous appelé Ablos Sylla. Et voilà, Ablos vient. Choco garçon, il est trop mignon, trop beau et agréable. On va recevoir l'artiste Abdoulaye Sylla, communément appelé Ablos Sylla, son nom d'artiste. Alors Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Ah bien, merci. Alors Abdoulaye Sylla, Ablos Sylla, il n'y a pas de différence. Toi, tu n'as pas trouvé un autre sobriquet. Tu as préféré d'utiliser ton nom de famille pour ton nom d'artiste. Ben ouais. Ah ben pourquoi? Quand tu me demandes, parce que le nom là, j'aime le nom Ablos, tu vois, non? C'est une création que j'ai créée pour moi-même, tu vois, non? Ablos Sylla. Ablos Sylla. Ablos Sylla, ouais. Alors, tu fais aussi de la musique populaire. Ouais, ouais. Et je signale que tu cartonnes un petit feu à Conakry, en Guinée. Ouais, ouais, et ouais. Parce que je sais que tes musiques sont beaucoup aimées par, surtout par les filles. Ouais, ouais. Tu es beaucoup plus consommé par les filles. Ouais, ouais, c'est pourquoi ça? Quel est ton constat? Ou bien parce que tu es trop mignon, hein? C'est ce qui fait cela? Ouais, quand on parle de ça, parce que la musique, les arts musicaux que je mets, tu vois, non, ça attire les femmes, tu vois, non, ça dérange les femmes aussi, tu vois. Et puis, à part d'attiration, ça leur dérange encore. Ouais, ça les dérange. Alors parle-moi tes débuts, comment tu es venu dans ce milieu et comment ça se passe? Dans la musique? Dans la musique, comment tu es devenu dans. Comment tu t'es retrouvé dedans? Ouais, ou bien tu viens d'une famille de griots ou quoi? Non, je ne viens pas d'une famille griots. D'accord. Ouais. Et comment tu es venu dedans? Et par amour, par quoi? Je ne sais pas. Ouais, je suis venu dans la musique en fait. Je ne chantais pas. Ouais. Je ne chantais pas un jour. J'aimais écouter la musique quand même. J'aimais écouter la musique. Un jour, j'étais assis. Un frère est venu. J'ai écouté la musique de Moustou Kamara, tu vois. Et j'imitais la musique. Directement, il m'a dit, frère. Tu as une belle voix, pourquoi tu ne chantes pas la musique? Ouais. J'ai dit musique, oui. Il dit musique, Mamaya, tu as une belle voix. Je veux que tu chantes Mamaya. C'est là-bas que. C'est comme ça que c'est parti? Oui, ouais, c'est et comme ça coup, que toi aussi, tu t'es engagé, hein? Oui, je me suis engagé, je me suis donné à fond, tu vois. Je partais au bord pour chanter, pour m'améliorer, en fait, quoi. D'accord. Donc, l'orchestre là va te proposer quelque chose, tu vas essayer de chanter sur là-dessus. Ok. D'accord. Ou bien, je vais te donner quelque chose. Non, il faut leur donner quelque chose, on va voir. Ok. Ouais.
Teme di furuina, yere tete, yana, yana. Ce soir, yeah, le véritable show. Petit monde, il faut le suivre. 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 Petit monde, il Écoute ça. Tambeberenara. La gaya gata me sauve. Anne invite à restaurant qui. Merambe gata resarambe. Kuina neki mouraya bangi. Zuli. Abelera sabangouni. Senkanke di sanana ma furuku. Furuga la sanana ma dewa. Abelera saru uftuna ma. Kuina neki anama salahunde. Tambeberenara. Sauve yo. Yere tete teme du furugina. Yere tete. Teme du furugina, yere tete, ala ala, yere tete, kunya fe folo, yere tete, ina gute tu va assumer, nere tu va assumer, inge waya mara mema, ibabe waya mara mema, kona mulamade, namulama, namulamade, namulama, e furi muso mabe. Bena di famu beri mabe, namulama. Nadi yamu fara mabe, namulama, namulama de, namulama. Teme du furugina, yere tete, yere tete. Teme du furugina, yere tete. Ha, yera yere tete. Namunya ela ela, ikaga de nuna bena ela nemu furito. Itam fa kelim be furitongo munya nerenda masengi ala masebe na na la 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 na na yere teme du furugina allo allo inakole yi mugo wasina ma on assume ce soir avec la nouvelle génération na 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 de la musique de Guinée avula sokoro mayo ne ya ba me ma feu ale tanya na si soro e tanya ba me ma feu. Awa mago mago ma kobiri golama. Awa madugi fongi gowa kobiri golama. Masoto ma natando furugina. Yere tete yala mama. Yere tete teme di furugina nana. Yemali gifeu. Yere tete atare wayangina. Yere tete amara me gifeu. Yere tete parimi re wayangina. Yere tete amara me gifeu. Yere tete abulos wayangina. Amara me gifo yere tete teme du furugina yere tete ala mama yere tete wayanguya ngunya yoga me feta mbaya donginara inumina manaka kuninara arayon. Nous évoluons avec la nouvelle génération de la musique populaire de Guinée. Ben oui, Petit Mondi et l'artiste Ablos Sila. Ouais. Tu nous as chanté tout à l'heure yere tete. Yere tete, oui. Alors, qu'est-ce que... Et pourquoi comment tu as composé ce son-là? Parce que c'est trop inspirant et les mots qui sont dits dedans, et vraiment ça révèle. Bah, il y a Colonguilère et moi, tu vois, non, je veux parler en anglais. Vas-y. Pour bien exprimer, tu vois. Ouais. Guilère et moi, Guinée, tu vois. Et Raforé, ouais, Manébé,
ils sont même pas là. Ils sont même pas là. Des Goyama. Ablos, c'est un petit bondi. Et voilà, et bien Ablos Toka. Oui. Et donc voilà, comment tu vois Ablos aujourd'hui? Bah, il est sur les voies. Il est sur les voies. Ouais. D'accord. Mais ce que moi je veux, j'aimerais que vous faites un truc de duo ici. Voilà, vous créez quoi entre vous ici là. On va voir ce que ça peut donner, parce qu'il y a beaucoup de vos fans également qui nous regardent sur Kavi TV. C'est pour cela d'ailleurs je vais profiter de dire à tous nos téléspectateurs, vous où que vous nous regardez, que ce soit en Guinée, en France, Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, de partout également, au Canada, en Belgique. Voilà, vous êtes les bienvenus dans cette émission Kavi Tempo. Pour réagir dans cette émission, WhatsApp via, il n'y a pas de souci. Il faut écrire nous sur ces numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran que vous regardez. Et à mon tour ici, on va vous dédicacer dans cette émission. Il n'y a pas de problème. Nous sommes de cœur avec vous. En tout cas, Kavi Tempo, cette émission vous parvient chaque samedi, quand les 21h. Ici en Guinée et Conakry. Petit Mondi, Ablos. En tout cas, on va essayer de faire quelque chose pour nos téléspectateurs. Mais je veux un truc de duo. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Voilà, au titre de Tongoba. Soukadadi. Je veux parler de Soukadadi. Soukadadi. Bah ouais. Et tu aimes ça? Grave, ouais. Tu aimes ça? Bah, je suis partant avec lui. Hein. Voilà, ou bien, et t'as le bête là. Voilà. Bah, on peut réconcilier parce que nous sommes dans un pays où. Voilà, ok, bien. On parle de d'accord, ça. D'accord, ok. On va chanter. On va chanter Soukadadi. Après, on prend aussi le titre de Petit Mondi. Et voilà, réconciliation. C'est ça? Ouais, ouais. Nous allons voir ce qui est bon. On fait les deux. Ouais. Non, on commence par réconciliation d'abord. Voilà, réconciliation. Il n'y a pas de souci. Voilà. Là, on chante pour les mamans, pour en tout cas ce pays aussi, pour tout ce qui nous regarde sur Kavi TV, la télé du développement. Eh bien oui, moi j'appelle ça créativité musicale ce soir dans votre émission. Petit Mondi. Ça, l'honneur de nos mamans. Ok. Voilà, vous diminuez un peu. À tous les mamans de l'Afrique, voilà. De la Guinée, du monde. Doucement, doucement, voilà. Mm-hmm. Allez. Na 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 na. Andi fe na ngora. Warame me di fe na ngora. Jine tandi e mane mora. Mone mage, mone mage. Jine e ngadi e. On va voir entre Petit Mondi et Ablos. Face à face. Abeli dembayana dembayana ira fule na 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 barigine kore sotogine mafira fonga mayoto more subegema nana minima balwe fira magiti kui natata torogi magiti kui wonya Baya, nina to no me merci. Monema, monema, kina diya mane o monema. Tam fa mo ngai fa ngai, o ngai. Monema, ah kina diya mane o monema. Waya mamala na yo na ibere na ganda bamba yo. Wow. Kanya nuna baya le kanya bamba. Ah ouais. Danuna bene fere munira mirimuna na yana gabali mayala kana ngela zengi umabe amini truti mayala yo alaka mu abe zanaba wayo ngana na
C'est merveilleux de voir nos artistes comme ça. C'est merveilleux. Ils chantent pour les femmes. Karabali suma, mane suma foloni mane suma laba, sunjata mamarele. Malagiri narabe, fatanga diye zano monewa. Meti moringa zana. Musbihina maya ibari gire diye gine. Kavi TV wabari gire diye gine. Mami jisien yo obariki ne diarina monema na biri na barina ala ko gafinara monema petit monde applause sila ah bah oui j'aimerais que ce son soit un dio parce que là c'est bien chanté. Je pense que les téléspectateurs qui nous regardent ah bah oui ils regardent et ils valident aussi ça. Parce que nous sommes regardés sur le canal plus 249. Nous sommes regardés sur Satem 779. Mais aussi, nous sommes regardés sur l'ensemble des applications Play Store et App Store. Mais aussi, également, sur la page du groupe de médias Kavi. Mais aussi sur Kavi TV, okay. En synchronisation sur la GRTV. Okay. Tout ceci nous regarde au même moment, également dans cette émission Kavi Tempo sur la télé du développement, ouais. Mais aussi de l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, vous m'inspirez trop, surtout Petit Monde de toi aussi, et tu ne fais que grandir, ouais. Mais aussi Ablos qui m'impressionne avec sa voix. Et tout, en tout cas, comment tu fais tes inspirations, Ablos? Comment? Parce que là, ce n'était pas préparé, mais ouais. Tu t'es inspiré. Ouais, tu penses que le travail est trop. C'est le travail. Moi, il dort quand même. Hein? Ouais, c'est le travail. C'est le travail, ouais. Ah ouais. Je sais qu'il a évolué, fait Bondi Prod. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bondi Prod. Bondi Prod. Et c'est notre grand ici, l'âge Bondi. Ouais. Et il est animateur de l'émission qu'on appelle Bala Mawarati, c'est son enfant. Et je pense que là, c'est bien parti. Merci. Alors également, toi aussi. Avec le label, comment ça se passe, les préparatifs de l'album? Ouais, pour le moment, tout se passe très bien. Mmh. Et parce que je suis dans le label et tu t'es organisé. Ouais. Tu vois, je suis bien logé. Je suis... En tout cas, c'est le label qui te prend en charge. Ouais, c'est le label qui me prend en charge. Ouais. Parce que le label là-même, c'est créé par mon nom et c'est un label qui est pour moi. Quoi. C'est mon père qui a créé pour moi. D'accord. Ouais. Donc, pour le moment, tu es le seul artiste dans ce label. Oui, ouais, je suis le seul artiste. Mais est-ce que ce label ouvre la porte à tous les artistes de Guinée? Il ouvre la porte pour tous les artistes qui sont payants pour l'air pour dire on est là pour tout le monde et le papa, il est là pour financer pour tous les artistes. Alors, Petit Mondi, ça te dit quoi si tu signes avec le label Bondi Prod? Bah, pour le moment, je ne peux rien dire, mais ça me fera plaisir. Ça te fera plaisir, ouais, hein, ouais. De parce signer. Que travailler seul, c'est... Un fardeau. Un fardeau. Ouais, ouais.
Parce que moi, ça, c'est un fardeau. Hein? C'est un fardeau. Parce que moi, je traite même de ça, de la trahison, de la perte de ton ancien label, voilà, qui t'a abandonné. Ouais, ouais. C'est ça, non? Bah oui. Ah, ouais, qui t'a abandonné parce que nous, on pensait que Petit Bondy était clean avec sa maison de production là. Mais finalement, tu me dis ici à la télé que c'est fini entre vous et ce label de production qui t'avait promis beaucoup de choses. Bah, il voulait créer le label comme il vient de le dire là. Mmh. J'allais être leur premier produit. Mmh. Mais le contrat moral n'a pas marché comme prévu, vous voyez. Ah. Et maintenant, tu évolues seul en solo. Ouais. D'accord. Oui. Alors, je vais revenir sur Ablos. Et d'ailleurs, je pense que tu prépares du mixtape ou bien... Ouais, je prépare des sons. En fait. Oh. Je prépare. Tu en as combien tu? Actuellement, je veux dire que j'ai l'album complet. L'album complet, ouais, hein? Ouais. Tu as ça? Ouais, tu as ça, hein? Oui, j'ai ça. Ah, d'accord. Tu as fait quelques clips? Non, je n'ai pas fait de clip. Je n'ai même pas fait sortir mes singles d'abord. Mm-hmm. Tu vois, même Yéré Tété là, mm-hmm, c'est déjà plaqué, mais ce n'est pas sorti. Ce n'est pas sorti, ce n'est pas encore dispo pour voilà, défendre. Voilà, ce n'est pas dispo, ce n'est pas officiel. Mais qu'est-ce que tu attends? Ouais, j'attendais ce jour-là, tu vois, non? Mm-hmm. Mon papa, il est là actuellement, il veut me produire. Là, on a fait un contrat, tu vois, non? C'est ma maison actuellement. Mm-hmm. Je bosse encore, ça qu'on est le matin, tu vois, mm-hmm, pour la sortie. Mais à janvier, je vais sortir mon premier clip. En janvier. En janvier, ouais. Ok, donc la nouvelle année avec le nouveau clip pour Ablos Illa. C'est ça? Petit Mondi, quel est ton projet à court terme? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Petit Mondi en 2025, c'est ça? Bah, actuellement, sur les préparatifs d'un nouveau clip, mm-hmm, j'ai fait un featuring avec une fille là, mm-hmm, Kadidamba, oui. Donc le son, j'ai déjà mis le challenge sur TikTok, mm-hmm, et actuellement les gens sont en train de faire leur petit mouvement dessus. D'accord. En attendant que nous finissions les préparatifs pour la sortie. Alors toi, quelle est ta particularité en toi? Qu'est-ce qui te différencie des autres artistes? Bah, parce que je me bats très fort. Mm-hmm. Tu es un guerrier. Je suis un guerrier. La particularité de Ablos, c'est quoi? Qu'est-ce qui te différencie de Mondi ce soir ici? Bah, je ne sais pas si c'est la créativité. Non, regarde Mondi, qu'est-ce qui te différencie de lui? Mais moi, je ne sais pas. Ah, tu vois? Et je pense que c'est la création, tu vois. Non? Moi, j'aime des modes, tu vois. Non? Mmh. Avant que je sente la musique, je voulais être un styliste, tu vois. Non? Mmh. Un mannequin, tu vois. Je voulais être ça. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu a dit que de sentir la musique. Mmh, d'accord. Alors, on va écouter le tout dernier morceau de Petit Mondi. Après, on écoute aussi ton tout dernier morceau. On dit au revoir parce que la télé aussi, c'est l'heure. Ok. Ouais, y a pas de souci. D'accord. Qu'est-ce que tu nous proposes à Moussa Ben Oumar? Yeah, ce son qui vient là, tout le monde l'a écouté. On va jouer à la douceur. Voilà. J'adore ce tube. Wali baranyo ero e bombo me ma fala fenana Wali baranyo e amirine reira darane ni ma fala ma Jimmy Prod nana Arili kaneve farama De sali tonton Jimmy Mohamed Jimmy Tonton Jimmy Kamara PDG de Tima Icon, en même temps le grand manager de l'artiste qu'on appelle Bamska Nati officiel. Bon voir à toi mon Jimo. You gende nabirina, musio soninde nabirina. Kono na ganna sa kene mantara na benanto maya. You gende nabirina, soninde nabirina. Kono na ganna sa kene na benanto maya dunoya. Kono wali amara. Una fagia tan wali amara. Petit Mondi.
he did not fend he do the man dine at he did not fend on there, dine the man, oh, Idama. Then I saw him by a quick. She become a limon, many. Hey, I have a man, they need a Jimmy, really can have him for a month. DJ Musnana, my father, me, ma. Il est un folori, il faut les nommer. Il faut y aller. On va donner deux minutes aussi à Ablos et tout à l'heure qui va nous chanter quelque chose. Ouais. Le tout dernier tube de Ablos ce soir dans cette émission Kavi Tempo, la télé du développement, ouais, mais aussi de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de souci, nous sommes de cœur avec vous. Nous, on vous aime, on vous adore. Vas-y. Plaisir pour nous de vous servir sur Kavi TV, la télé du développement, mais aussi de l'entrepreneuriat, avec Petit Mondi ce soir dans l'émission, mais aussi Ablos, c'est là. Rapidement, dites au revoir à nos chers téléspectateurs. Bah, merci à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, de Conakry à Zo,
Ouais, merci à vous, je vous love tous. Ouais, tes mots de fin rapidement. Voilà, Ntambalo Rebu Rebu Kender Ira, Oradina Abdoulaye Silla, Ablo Silla, tu vois, Bofa, Buramaya Karen, Nanga Kelrebofane, Autor Télévision, Mana Kavine, Oran Vesuvi, chaque samedi, ou bien. Chaque samedi. Chaque samedi, à 21h. Chaque samedi, voilà, à 21h, Ofa. Avec Digue Mouza, y'a pas de problème. Digue Mouza, Wali Manevé. Merci beaucoup. On avait l'orchestre. Là, c'est qu'il y aurait du bébé trop. On avait l'orchestre de Fodé Baro Junior. Lui-même, on aura le temps de lui prendre dans l'émission parce que c'est un artiste complet. Tout récemment, j'étais avec lui du côté de Kindia. Et voilà, on avait fait du bien là-bas. Également, je l'ai présenté beaucoup sur les chaînes de Guinée-Conakry. Alors, Fodé Baro Junior, on va te donner aussi un autre rendez-vous pour toi, mon cher ami. Alors, merci à Baba Camara, mes 4 heures de ce soir. Merci à Monsieur Sano, Michel Wamuno, mon directeur de réalisation, Monsieur Drama, Fatoumata Doumbouya, ingénieur du son aujourd'hui. Mais aussi, je n'oublie pas mon infographe de cette émission. Lui, c'est Bouba Traoré. Dans l'ensemble, merci à l'équipe culturelle de Kavi Média de nous accompagner de près ou de loin. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez regardés sur Kavi TV. Prochain rendez-vous, ça serait samedi prochain avec l'artiste qu'on appelle Zangé Camara. Je l'annonce à l'avance dans cette émission. Portez-vous bien, au revoir.